Marseille-Provence. La préfecture des Bouches-du-Rhône communique à l'instant. À partir de demain, 5 août 1940, un certain nombre de trains sera mis en route à destination des régions suivantes. Savoie, région lyonnaise, Massif central, région parisienne. Les réfugiés originaires de ces régions pourront retirer leur fiche d'admission à la mairie de Marseille contre présentation de leur pièce d'identité. Les militaires démobilisés et non encore rapatriés pourront également être admis dans ces trains. Les réfugiés possesseurs d'automobiles pourront retirer leur bon d'essence dans les mêmes conditions s'ils désirent regagner leur domicile par la route. Merci. Quantité, préparez vos papiers, livret militaire, livret de famille, certificat de domicile. Ferrand Émile Louis. Oui. Domicilié à S. Mais c'est pas un domicile, ça, c'est une maison de correction. D'accord. Seulement, on m'a libéré pour que je puisse m'engager. Maintenant, je suis libre. Je vous dis pas le contraire, mais vous n'avez pas de domicile. Où habitez-vous ici? Ah ben, je couche au doc, près de mon travail. Oui, dans un hangar. Oui, à la cloche, quoi. C'est bon, suivez-nous, on vérifiera ça. Pour l'instant, je n'ai pas de garant pour lui. D'ailleurs, il a un domicile, le mien. Il couche chez moi à chaque fois que son travail ne retient pas au doc. De quoi vous mêlez-vous, vous? Ce qui me regarde. Vos papiers. Lieutenant de réserve, Jean-Victor, démobilisé. Dans le civil, journaliste. Ah, pardon. Ferrand était dans une unité voisine. Nous nous sommes connus au front. Vous comprenez? Je comprends, mon lieutenant, mais nous avons des ordres. Traîne tellement de voyous en ce moment. Alors ça va. Seulement, mettez-vous en règle, hein. Peut-être vous faire un certificat de domicile. Il le fera dès aujourd'hui. Merci. Alors, c'est fini? Oui, chef. Je l'ai sur vos oreilles. Marquez-les. Ah, je vous remercie, mon lieutenant. Sans vous, j'étais fait. Président, c'est tout naturel. Oh mais non, c'est pas tout naturel. Après tout, vous me connaissez pas. Si, je te connais. Je t'ai jamais vu, mais je sais exactement ce que tu penses. Et ce que tu es. Moi? T'es tout seul, comme moi. T'as pas de famille, comme moi. Tu sais pas trop ce que tu vas devenir, comme moi. Et t'aimes pas les flics, comme moi. Ah, mais c'est pas possible, vous êtes sorcier, vous, alors? Non, non, je suis pas sorcier. Seulement, je suis exactement dans la même situation que toi. Moi, je sors de Belle-Île. Oh! Oh, pardon. Oui. Ah, j'avais loupé le départ. Sans Julia, le toubib, il est mort maintenant. Sans lui, je serais devenu une guêpe. Parti comme j'étais. Braqué. Meurtri. Révolté. Je devais me perdre. Il n'y a que lui qui a su me comprendre. Merci, toubib. J'ai pas oublié. Oui, monsieur, je sors de Belle-Île. Seulement moi, j'en suis sorti une fois pour toutes. Pour toujours. Jean-Victor, le professeur,
Ah bah ça alors, si je m'attendais à te retrouver ici, toi. Comment ça va, petit homme? Marcel Charette. Oui. Merde de vin. Belle-Île. Ah, dis donc, il y a longtemps qu'on s'était pas vu, non? Tu fais... Bah, tu es Belle-Île. Un copain, Ferrand. Enchanté, monsieur. Ace. 5 ans. 5 de trop. Patron, 3 pastilles, c'est du mien, hein. C'est des copains. Je suis quand même content de te revoir, toi. Et pourtant, tu m'avais bien dérouillé. Tiens. Tu te rappelles pas? Oui, tu m'avais piqué mes grolles. Ah, c'était un caïd, le professeur. Alors, t'es content? Tu te défends, si pareil, il y a des copains qui ont vu ton nom dans les journaux. Oh, ça s'est commencé, quoi. Oh, moi, ça m'a pas étonné, tu sais. Lui, pour le baratin, il a toujours été de première. Là-bas, Belle-Île, qu'est-ce qu'il nous vendait comme salade? Moi aussi, ça marchait bien, tu sais. Oui? J'avais déjà 3 fans. Ouais. Il n'est pas encore sorti de Belle-Île, lui. Hein? Non, rien, quand il... Et il a fallu que je laisse tout tomber, quoi. Ils m'ont démobilisé ici, alors je suis resté. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Non, pas grand-chose. Je vis sur mon indemnité. Comment? T'es en rideau et tu nous le disais pas, espèce de cave? Mais c'est plein de copains ici, des anciennes Belle-Île, on va t'arranger ça en moins de 2. Ouais. Hein? Rien, continue, continue. C'est le grand Joe qui m'a pris avec lui. Ben, tu sais bien, Rouquin, on était ensemble là-bas à la Menuise. Ah oui, un gros. Ah, mon petit homme, alors il a su nager, celui-là, c'est moi qui te l'ai dit, il est bourré à bloc. 2 maisons à lui, un cercle, 3 bistrots. Ah, il faut te dire que sa femme, c'est quelqu'un bien roulé et puis de la tête. Alors forcément, ça l'a aidé. Veux-tu que je leur parle de toi? Non. Non, t'es gentil, mais. Je préfère me débrouiller autrement. Bon, petit homme, bon, moi, ce que j'en disais, enfin, c'est ton affaire, tu sais. C'est pour moi, ça, hein. Allez, on se tire. D'accord, ok. Il n'y a rien, en fait. Quand tu sors de la lumière, c'est complètement miro. Encore un qu'on emmène. Moi aussi, c'est le soir qu'ils m'ont fait. Pauvre gosse. C'est pas le dernier. Bloquez-moi, bloquez-moi. Allez, taille-toi, Moujane, pas d'histoire. Mets-toi là. C'est un gosse avec 3 hommes. Un gosse avec 3 hommes? Oui. Attendez donc. Il me semble bien. Ah. C'était mardi ou mercredi dernier. Bon. Des coups de sifflet, puis que je vous y vais risquer le coup pour le gosse, là. J'ai tout de suite pensé que vous étiez des anciens. Hein? Maîtret, 6 ans. Belle-Île, 8 ans. S, 50. Mallory. Jean-Victor. Ferrand. Et toi? Moi, tu t'appelles, hein?
La puce? La puce. Pas un nom, ça, la puce. T'as bien un autre nom. En voyant comme moi, Mallory Joseph. Hein? Ah bon. Tu veux pas nous dire comment tu t'appelles? Hein? Marc-Ange, Jean-Marc-Ange, je suis de Saint-Ouen. Qu'est-ce que tu avais donc fait? Hein? Pourquoi voulait-on t'emmener? Je sais pas. Et ta famille? Où elle est ta famille? Je sais pas. Allons, on parle, quoi. Tu vois bien qu'on est des copains, nous. Hein? On était partis à pied sur la route. Et puis les avions sont venus. Après, j'ai plus trouvé mon frangin. Et puis la mère, elle était plus là. Alors je me suis tiré. Et puis il y a des soldats qui m'ont pris avec eux. Et alors à Marseille, ils m'ont laissé. Il y a longtemps? Oh non, pas très. Et où manges-tu? Où couches-tu? Je sais pas. Dis donc, t'aurais pas fauché un petit quelque chose par-ci par-là? Si. Ah. Et c'est pour ça qu'on voulait t'emmener? Ben oui, c'est à cause du saucisson. Oh, il était vache, long comme ça. Ah. Vous vous rendez compte? Flagrant délit de vol. Pas de famille. Automatiquement, c'est le patronage. Ou la correction. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de lui? Tu travailles, toi? Oui, au doc. Petit boulot. Pas grand-chose, mais enfin, c'est toujours ça de prix. Et t'étais dans l'artillerie, toi? Oui. Au 87. On n'avait pas envie beaucoup. C'est Gustave. Hé, les amis, faites gaffe. Les flics sont dans l'escalier. Je les ai vus rentrer. Passez-moi le petit. Vous viendrez chez moi et nous sortirons tous par ma maison. Allez, où? Ici. Au nom de la loi, ouvrez! Ouvrez! Passe ton gosse à Gustave. Et filez tous les trois, moi je vais m'occuper de ce truc. Non, pas ça. Pose le gosse. Ce que tu dis? Pas ouvrir. Quoi? Pose le gosse. Te voilà, toi. Je savais bien qu'il n'était pas loin. Allez, vous trois au commissariat. Allez, vous vous êtes piquerés là-bas. Allez. Tu veux que je t'apprenne le reste de l'air? Non, non, c'est ma chanson, je l'aime comme ça. Je comprends très bien le sentiment qui vous a fait agir, monsieur Jean-Victor. D'ailleurs, je vous connais. J'ai suivi vos articles sur l'enfance délinquante avant la guerre. Seulement, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, si tout le monde vous imitait, il n'y aurait plus d'ordre possible. Nous avons eu tort, mes amis et moi. Et vous avouez, monsieur le commissaire, ce qui se passe. C'est abominable. Et je le sais bien, je suis le premier à le déplorer. Mais que voulez-vous? Nous sommes bien obligés d'appliquer la loi. Vous avez de la chance que je vous connaisse, vous savez. Vous étiez dans un mauvais cas. Enfin, pour cette fois, mais n'y revenez pas. Non. Il y a mieux à faire. Merci, monsieur le commissaire. Et vous, tâchez de vous tenir tranquille, hein? Sans ça, je relève sur vous. Au revoir, monsieur Jean-Victor. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Pénitentiaire, enfin, le patronage. Il n'y a rien d'autre. Pour l'instant. Hmm? Je veux dire, ça peut changer. Puis-je lui dire au revoir? Mais oui, naturellement. Merci. Alors, monsieur, c'est arrangé, je reste avec vous? Non, mon pauvre gars. On n'a pas le droit. Alors,
alors je vais aller là-bas, où qu'il m'emmène. Pas pour longtemps. Retiens bien mon nom. Je m'appelle Jean-Victor. Jean-Victor. J'irai te chercher, je te le promets. Tu me crois? Oui. Tenez, prenez ça. En prison, ils me le faucheraient. Vous me le rendrez quand vous viendrez me chercher. Allez, le taxi là en route. Soyez pas trop long, hein. Je vous attends. À bientôt, hein. À bientôt. Perdez pas mon maître, hein. T'es un beau salaud de l'avoir donné. Tu sais ce que t'es? Un flic. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez dit? C'est pas après vous que j'en ai, c'est à monsieur que je cause. C'est pour lui faire un compliment. Ah bon, je croyais que... Ah non, alors, c'est Jean-Jean, mais vous êtes vous. Il n'y a pas à dire pour un ancien, vous la foutez mal. Assez, assez. Vous voulez vraiment faire quelque chose pour lui, n'est-ce pas? Vous êtes dégoûté de voir ce qui se passe. Bien sûr. C'est question. Ah, vous allez venir avec moi. Tu connais quelqu'un à la tentière? Non. J'irai plus haut. Où ça? Jusqu'où il faudra. En ce qui concerne votre requête pour la formation d'un centre modèle pour les jeunes détenus, vous me permettrez de vous dire que vos références sont un peu... insuffisantes. Pourquoi? Parce que j'en sors moi-même. Mais... justement. Vous voulez que je vous dise ce que vous êtes, vous? Un dégonfleur. Un pauvre type qui se sent incapable de faire quelque chose et qui met son plaisir à empêcher les autres de faire mieux. Ça vous gêne qu'on sorte de la tentière, hein? Ben ça vous chiffonnera encore bien plus que je l'aurais fait, mon sang. Parce que je le ferai, vous entendez? Sans vous, contre vous, mais je le ferai. Mais monsieur Jean-Vincent... Jean-Victor! 894, Belle-Île! Jean-Victor, vous passez les limites à la fin. Allez, venez, vous autres. C'est pas des gens pour nous, ici. Ce sont des messieurs à faux col. Vous avez vu ça, Gerbeau? Ce sont des fous, des révolutionnaires. Je l'espère bien. Quoi? Va où sortons d'ici? Il y a une heure que je cherche la sortie. Suivez le couloir, prenez l'escalier, après les affaires étrangères à droite, face à la lingerie. Hé, là-bas, tous les trois, un instant. Un flic, déjà? Eh ben, ça va vite, ici. Non, non, rassurez-vous, je ne suis pas flic. Par contre, j'ai un faux col. Je m'en excuse, mais c'est comme ça. Il y a 30 ans qu'il est là. Et alors? Qu'est-ce que vous nous voulez? Du bien. Je viens de vous entendre dans le bureau là-bas et ce que vous projetez est excellent. Il faut le réaliser. Aussi, nous vous offrons une chance. Qui, vous? Nous trois, mon administration, moi-même et mon faux col. Soit confié pour un an au centre Le Carrefour. Monsieur le Président, je m'excuse auprès du tribunal, mais en ma qualité de directeur de patronage et au nom de mes honorables collègues ici présents, je prends la liberté de demander respectueusement au tribunal quelques éclaircissements sur ce nouvel établissement dont personne de nous n'a entendu parler jusqu'ici. Personne. Monsieur Bobillot, le Carrefour n'est pas un patronage. C'est un centre de rééducation, dirigé par Monsieur Jean-Victor, ici présent, et qui commence à fonctionner aujourd'hui. Continuons. Affaire Joris. C'est encore toi, Joris. Ça fait la troisième fois que tu passes ici en un an. Tu n'es plus un gamin, pourtant. Tu sais ce que tu fais. C'est ce que vous voulez, les flics veulent pas me foutre la paix. Puis cette fois, c'est grave. Vente de briquets volés, soupçon de complicité dans un cambriolage, rébellion envers les agents. C'est pas vrai. C'est eux qui me sont tombés dessus les premiers, je me suis défendu, c'est tout. Mais oui, je persécutais, naturellement.
Voilà trois fois que je te fais remettre en liberté surveillée. Cette fois, c'est fini. Je te mets en correction jusqu'à ta majorité. Vous savez, là ou ailleurs, je m'en tape. À moins qu'on ne veuille bien te prendre en patronat. Pensez-vous, ils ont les fouets. Je le prends, moi. Je crois de mon devoir d'appeler votre attention sur le délinquant, monsieur Jean-Victor. Joris n'est plus un gamin. C'est un garçon dangereux. Il a des relations dans les pires milieux. Mêlé à d'autres enfants me paraît être une imprudence. Enfin, vous êtes seul juge de ce que vous avez à faire. Maintenez-vous votre demande. Je la maintiens. Accordé. Joris est confié au centre Le Carrefour jusqu'à sa majorité. Le délinquant vous sera remis tout à l'heure au greffe, monsieur Jean-Victor. Affaire suivante. Affaire Ménard Antoinette. Le professeur, comment ça va? T'es remonté à Paris maintenant? Ben, tu vois. Tiens, vous vous connaissez tous les deux? Alors, comment ça s'est passé ton affaire? C'est le grand Joe qui m'a dit de venir voir. T'ont lâché encore ce coup-là? On l'a lâché, ils m'ont filé 3 ans, les vaches. Non. Plus j'allais en centrale. C'est votre pote, là, qui m'a réclamé. Ah, tu t'occupes des nerfs, toi, maintenant? Oui. Sacré professeur, là. Tu me feras toujours marrer. Bouge pas. Bonjour, cher maître. Comment allez-vous? Oui, monsieur, je vais bien. Et pour le petit chèque, ce sera fait demain. Comptez sur moi. Au revoir, cher maître, et merci. Au revoir, monsieur Lamp. Au revoir, mes chers maîtres. Excuse-moi, mais le grand Joe a tellement de combines en ce moment qu'il ne peut pas tout faire. Alors, je lui donne un petit coup de main. Et puis, Germaine, enfin, sa femme, elle m'a pris la bonne. Alors, je commence à me défendre un petit peu. Je vois ça. Moi, Joe, il m'avait promis un avocat, puis j'ai Igdal. Ça va, monsieur Jacques. De quoi tu te plains? C'est toi ou c'est lui qui s'est fait faire comme un cave? Dis pas, monsieur Marcel. Alors, boucle-la, tant qu'on te parle pour l'ouvrir, compris? Tu sais que t'auras du mal avec celui-là. Hein? Ces gars-là, faut les dresser. Tu devrais plutôt nous remercier qu'on t'ait fait envoyer chez un copain à nous. Non, sans char, vous étiez en cheville? Ah, oh, c'est marrant, moi, qui vous prenais pour un flic. Sans compter que ce que je dis là, ça pourrait peut-être se faire. Tu perdrais pas, tu sais. Qu'est-ce qui pourrait se faire? Eh bien, voilà. Joe et moi, en ce moment, on emploie pas mal de monde pour nos affaires. Alors maintenant que t'as un patronage, quand il y en a un qui se fait poisser, on te prévient, tu le réclames, et puis tu nous le refiles en douce, tu vois le coup? Eh, très bien. Puis alors, tu sais, pour ça, même pas besoin d'en parler à Joe, hein, c'est d'accord tout de suite, on paye une prime par moujingue. Comme une assurance, telle que, ça va? Non. Pourquoi? Parce que le Carrefour, enfin, mon patronage, comme tu dis, c'est pas une combine. Je veux vraiment faire pour ces mômes-là ce qu'on aurait dû faire pour toi. Et pour moi aussi. Sacré professeur. Tu joues les bonnes sœurs, maintenant. Joris, ici! Tu veux que j'y aille? Pas de ça quand je suis là, hein. Jean-Victor, c'est un copain. Après, tu feras ce que tu voudras, mais pas de vanne devant moi, compris? Oui, monsieur Marcel. Allez, je me tire, moi, j'ai du boulot, tiens. Mais avec tes nerfs, qu'est-ce que tu te prépares comme emmerdement? Je laisserai tout tomber, moi, à ta place. Oui, mais t'es pas à ma place. Et moi, je voudrais pas être à la tienne. Belle pagaille. T'as pas pu les faire de ton pas, non? C'est en prison qu'ils ont appris à marcher au pas. Je laisse les oublier. Ils y reviendront bien tout seuls. Asseyez-vous. Choisissez vos places vous-même.
tous ensemble. En famille. Passe-moi la famille comme bande de vaches, on fait pas mieux. N'oubliez pas qu'ici, nous ne sommes pas en prison. Nous mangeons avec des couteaux. Des couteaux qui coupent. C'est pas du fer blanc. Ce sont des vrais. Je vous les confie. J'ai votre parole qu'aucun de vous n'essaiera d'en faucher. Répondez pas tous à la fois. Les deux premiers de chaque table. Allez chercher les plats à la cuisine. Ah non. Non, 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 écoutez, moi je ne peux pas supporter cette bagaille. Mettez-vous en rang. Alors, oui, ben, voyons, mon vieux, si bien ce qu'il vient de dire, Jean-Victor. Mais qu'est-ce que tu écoutes, à ce moment-là, alors. Ouais. Oui, je sais plus. Non, je peux pas supporter. Elle a bien roulé, l'assistante sociale. Moi, si elle veut m'assister, ça ne coûtera pas cher. Tout bas. Hein? Faut pas parler tout haut? On peut? Mais bien sûr qu'on peut. Je viens de le dire. On n'est pas en prison ici. Moi tout de même, tu te feras un peu couper les cheveux. Hein? Bon, je suis pas tout seul. Et toi, Joris, t'as rien à nous raconter? Moi aussi. À pied et à cheval. Écoutez ça. Alors, mademoiselle Bonnol, comme assistante sociale, vous n'avez pas un stage à la pénitentiaire? Oui, un an. Combien de temps? Un an. On ne s'entend plus. Quel chahut! Ceux qui sont allés en cuisine ramassent les couteaux. Que je vais vous passer, moi. Trois d'entre vous n'ont pas été réguliers. Pour connaître les coupables, je devrais vous punir tous. C'est pas mon genre. C'est pas le genre du carrefour. Allez, que ceux qui ont piqué les couteaux les rendent. Armango. La lame. Rends la lame, je t'ai repéré. Un. Dino, donne-moi le couteau que tu as dans ta veste. Moi, je n'ai pas. Alors, tu sais pas y faire, mon vieux, je le vois d'ici. Non. Ici. Corniaux. Deux.
les nuits. J'ai trouvé le troisième, il était tombé sous un banc. Trois, le compte y est. Les deux rangées du milieu, aux ateliers. Les rangées de droite et de gauche, à ramasser les plats, à balayer la salle. Moniteur, exécution. Mes compliments, Donald. Vous connaissez le truc du couteau dans la chaussette? C'est l'ABC du métier. Seulement, vous voyez que vous leur faites un peu trop confiance. Oh, c'est pas assez. Juste ce qu'il faut. Ce qui nous aurait fallu, à nous. Si vous l'avez eu. C'est Joris qui a touché Julien, le moniteur de la momie. Il l'avait planqué dans sa corée. Tu parles d'une gueule qui va faire. Il fera les pieds. Commencez à me courir, celui-là. Ah, il pense pas que je vais me crever à gratter pour eux, non? D'ailleurs, j'en ai marre de cette toule. Demain, je me tire. Donc c'est que tirer chez tes vieux? Mes vieux. Ma mère, parce que mon père. Ouais, bon. Bon, j'ai perdu en 40 sur la route. On doit être planqué dans un bled avec mon frère. T'as un frangin? Ouais. Il me manque. S'il est pas mort, il a eu 11 ans dimanche dernier. Mais quand je serai tiré d'ici, j'irai le chercher, hein. Oui, mais en sortant, pour tout de suite. T'as une planque? T'en fais pas, j'ai une combine. Prends-tu, Joris? Tu m'emmènes? Je me tire avec toi. Ah ben, moi aussi. Moi aussi. D'accord. Seulement si on est 7, ça change tout. Ah, voilà du roulement, espèce d'alcave. Pour tirer à 7, c'est tout un business à monter. Il faut que ça gueule partout, vous comprenez? À la campus, aux ateliers, à la cuisine. Alors pendant que les autres y font le ramdam, nous on profite de la pagaille pour stresser. Voilà. Ah, je vois bien, mais est-ce que tu crois que les copains voudront? Les autres? Croyons que c'est pour de vrai, il n'y a qu'à pas leur dire qu'on part. Bien, regardez comment on fait. Les Rougiers. Rougier! Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais la nouvelle? T'envoie demain à l'hosto. Qu'est-ce que tu dis? T'es sûr? Sûr et certain. C'est Julien, le moniteur à la menu, ce qu'il a demandé au chef. Armango l'a entendu, demande-lui. Va voir Mango. C'est pas possible, ça! C'est pas possible! Même qui rigolait, tous les deux, ils ont dit ça y fera les pieds. Va voir Mango. Oh les vaches! Les vaches! Oh, le temps fait pas, mon pote, on est là, nous ne devrions pas partir. Et demain, pour commencer, après la croûte, en rentrant à l'atelier, on y file une bonne trempe au Julien pour lui apprendre. Hein? T'en es? Oui! Oui, je le crèverai, les salauds! Je le crèverai! Voilà. Et voilà. Au suivant. Je le crèverai. Alors, tous les dossiers où ils ont écrit nos noms. Et tout ce qu'on a pu faire, ils sont dans le bureau du chef. Tu comprends? Alors demain, après la graine avec les copains, on fout le bourlingue en l'air. Et on fauche les papelards. Comme il n'y a plus de papelards, personne ne peut plus rien nous dire. On a notre congé. T'en es? Je t'y pense. Et toi? Et comment? Et revoilà. Ah, je vous le dis, le pistolet, il fauche tout. La barbaque, les faillots. Et puis leur vendre, que ce soit nous qu'on les bouffe. C'est ça. Il a planqué 5 kilos de confiture derrière ses casseroles. Alors demain, après la troc avec les copains, on y fout sa cuisine en l'air. Si on tape le tronc jusque-là. Vous en êtes? N'en fais pas, on ira tous. Bon, et on va voilà. Il Non, il y a autre chose. Ça sent la belle, ça.
C'est pas une prison ici. Pas besoin d'escalader les murs. Les portes sont même pas fermées. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez pour foutre le camp? Chef! Chef, venez vite! Roger vient de tuer le moniteur là-bas. À la menuise. Carrefour est dissous. On accorde 8 jours pour liquider le centre. Ensuite, vous serez dispersés, répartis dans les divers pénitenciers. Je vous préviens que d'ici là, la moindre tentative d'indiscipline sera réprimée avec la dernière sévérité. Tout le monde au dortoir. Commencez à préparer vos affaires. Allez. Je suis désolé pour vous, mon cher, mais je n'ai rien pu faire en route. Une révolte, un tué, on l'a voulu entendre. J'ai tenté tout ce qu'on pouvait tenter. Allons, bon courage et à bientôt. Je reviendrai demain. Voilà un colis pour vous. Paraît que vous l'aviez réclamé. On vous l'envoie de Montpellier.
Je vous remets son ordre de transfert. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allez, bonsoir. Alors c'est vous trois qui êtes au carrefour? Ah ben je comprends maintenant. Qu'est-ce que tu comprends? Pourquoi tu sais pas de le carrefour, Paris? Tu connais le carrefour? T'en as entendu parler? C'est bien là-bas, à Montpellier, par les copains. Ils parlent de nous là-bas? Oh, je pense bien. Ils ont osé une gueule quand ils ont vu que c'est moi qui y allais. Ils parlent de nous dans les pénitenciers. T'as pas faim? Non, ils m'ont donné à bouffer. Ah, oh, mais j'ai sommeil. On va te donner un bon lit. Allez, Pierre, occupe-toi de lui. D'accord. Viens là, mon bonhomme. Oh. Et mon mec, vous ne l'avez pas perdu, au moins? Merci, elle est gentille, cette sœur-là. J'avais tort, Donald, tout à l'heure, quand je vous disais qu'il n'y a pas de miracle. Parle de nous, les gosses. Ce soir, on est dortoirs. Ils espèrent en nous. Ils ont compris. Non, on n'y sera pas le carrefour. Je sais pas encore comment je m'y prendrai, mais... garantie qu'on le dissoudra pas. Tiens, voilà ton lit, mon bonhomme. T'as besoin de rien? Bon, c'est long, je vais ronfler. Bonsoir. À demain, chef. C'est ça, à demain. Dors bien. Alors, qu'est-ce que vous foutez là, tous? Vous attendez que je vous couche moi-même, non? Vous avez besoin d'une bonne, peut-être? Bah, on attend la croûte. On bec le boss ce soir, non? Mangez, comment vous voulez manger? Vous avez foutu la cuisine en l'air, ça sera pas de que demain. Allez, tout le monde au lit! Et que ça saute, hein? Alors, bientôt 10 minutes, je peux trouver tout le monde couché. Compris? Ben mince alors, on fait Tintin ce soir. On n'a pas pensé à ça. C'est vrai qu'on a foutu la croûte en l'air. Mais toi qui es si fortiche, t'y avais pas pensé non plus. Oh, foutez-moi la paix. Joris. C'est toi, Joris? C'est toi? La puce! Oh merde. Joris, ce que c'est bas, mon Joris. Mais d'où t'arrives comme ça? Et la mère? Je sais pas, on s'est perdu. J'étais tout seul. Ah, dis donc, je crois pas encore que t'es là, moi. Oh, ce que t'es maigre. T'as dû empiler, hein. Oh, ça fait rien. Maintenant que t'es là, on se quittera plus, Joris. On se quittera plus jamais, hein. Non, jamais. Tu t'en prends jamais? Ouais, t'es trop compte depuis le temps. Parce que je suis content, moi, alors. Ah, c'est pas peine quand même qu'il arrive maintenant. On s'est pas resté longtemps ensemble. Pourquoi? Ben, t'as bien entendu tout à l'heure. Dans 8 jours, on nous vire tous. C'est pas vrai, dit Joris. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Partez pas, on restera là, je te le dis, moi. Mais ben, tout ça, c'est de ta faute. Si vous avez pas bourré le mou à nous et à Rougier, eh ben, on sera encore ici, en peinard. Allez, au page, on causera demain. T'es sûr qu'on restera ensemble, Joris? Mais oui, puisque je te le dis. Allez, couche-toi. Puis demain, tu dois avoir les pieds, je parie, qui sont aussi noirs que tes mains. Tu sais, je vais m'occuper de toi, moi. Comme avant. Comme avant. Bonsoir. Alors on se quittera pas? Non. Où tu vas? C'est pour lui sortir. Non, faut que je compte au chef. Alors, si ça pouvait s'arranger, ben on serait content de rester. Voilà. C'est trop tard, mon gars. C'est avant qu'il fallait réfléchir. C'est toi qui as organisé tout ça, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Assieds-toi. Ça me fatigue de le voir debout. Assieds-toi. Pourquoi tu fais ça? Je voulais me tirer. Pourquoi? Parce que... t'es pas bien ici? Si, c'est pas mal. Mais enfin, quand même. C'est un bagne. Et dehors, tu es persuadé que tu aurais été mieux? Alors, je sais pas, mais... c'est dehors. Mais en somme, ce que tu veux éviter, c'est de rentrer dans un pénitencier. Ouais. Et tu as un plan pour ça? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu
as bien trouvé le moyen de détruire le carrefour. Tu dois avoir pensé à la façon de le sauver, puisque tu veux le sauver maintenant. C'est-à-dire que... Tu n'as rien trouvé. Alors tu t'es dit, je vais aller voir le chef. Lui aura peut-être une idée. C'est ça, hein? Ah oui. Je te remercie, Joris. Tu viens de me donner là une belle preuve de confiance. Moi? Madame, tu reconnais que tu es incapable de sortir du pétrin alors que moi je peux t'en sortir? Tu as bien fait de venir me voir. Moi non plus, je veux pas que le carrefour disparaisse. Il y a peut-être un moyen de le sauver. Seulement sauvetage, je peux pas le faire tout seul. Faut que ce soit vous tous qui le tentiez. Est-ce que je peux compter sur vous pour ça? Ouais. Est-ce que je peux compter sur toi pour l'organiser? Ouais. Parole d'homme? Parole. Bon. Écoute bien. Voilà ce que vous allez faire. Demain? Enfin, pourquoi ne pouvez-vous pas rassembler les enfants dans la cour? Où sont-ils? Dans la rue. Comment dans la rue? Tout seul par équipe de 6. Seul? Oui, avec 200 000 francs de bonne solidarité sur vous. Mais vous êtes fou? Non. Vous avez fait ça? Mais vous ne vous rendez pas compte de votre responsabilité? Pour sauver le carrefour, il fallait une preuve éclatante que ma méthode était bonne. La confiance. Les enfants doivent être de retour ici à 7 heures. S'ils sont là à l'heure avec l'argent, pourrez-vous faire admettre en haut lieu que le carrefour mérite d'être conservé? Mais à 7 heures, on ne sera pas rentré à la moitié. Nous verrons. Tant pis pour vous, mon cher. Vous avez pris cette décision seul, vous serez seul à en supporter les conséquences. Je vous demande pardon, mais si Jean-Victor a des ennuis, moi je demande à être dans le bain avec lui. Moi aussi. Moi aussi. D'ailleurs, maintenant, il n'y a plus rien à faire qu'à attendre. Attendons. Pardon, mademoiselle, tout ça se sentit bien, s'il vous plaît? Oui, jeune homme. Non, mais tu te rends compte? C'est dur. Alors, et le boulot, là? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, hop! Allez! Deux sacs, je me tire. Bonsoir. Bien fois si tu veux, mais lâche l'Afrique, c'est pas à toi, c'est au centre. Alors tu t'imagines que c'est pour le centre que je me suis levé la peau, petit cave. Donne l'Afrique, donne, c'est pas à toi, c'est au centre. Tu vas foutre la paix, oui. Donne l'Afrique. Ah, mais tu m'emmerdes, la femme. Viens, moi, c'est triché avec la flonge. Oh, ben alors, c'était pas la peine de se taper tout ce boulot. Et là, jeune homme, prends le cipette en face du métro, c'est interdit. Oui, mais ceci est interdit de se le faire voler. Alors, Pierrot a mis les poils avec deux sacs. J'ai voulu lui réfléchir, mais faut que tu les vends. Ça fait mal? Non. Bon, il reste encore des ventes? Oh oui, pas mal. Bon, bah j'en prends aussi pour les ventes tous. Allez, tiens-moi le vélo. Hé, un bon de solidarité, c'est pour les malheureux. Non. Ernest, pour les malheureux. Non. Ah, la petite dame là. Allez, un bon de solidarité, ça portera bonheur au petit pays. Tiens, c'est 10 balles qu'elle s'appelle, celle-là. Non, ça arrive. Ben, qu'est-ce que je disais? C'est combien? C'est 10 francs, mais au plus on prend de plusieurs, c'est pas défendu. Alors voilà pour 50 balles, 50 balles de bonheur. Allez, voilà. Voilà, madame. Au revoir, Anne-Marie. Top, top, les amoureux, là. On peut entrer, oui. Allez, quand on est heureux, faut penser aux autres. Alors, un bon de solidarité, c'est un chacun.
Allez, et voilà 20 balles de bonheur. Vous pouvez remettre ça maintenant. Ah, vous ne faites arrêter, mesdames, messieurs. La solidarité n'est pas dans un mot. Et monsieur, je suis sûr que vous allez donner le bon exemple. Monsieur. Oh, pardon. Non. Vous, monsieur. Monsieur Marcel. Bonjour, petit homme, qu'est-ce que tu fous là? T'es donc sorti? Bah, vous voyez. Et vous? Nous? Ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Non. Et la chronique, monsieur Jou? Bah, c'est toi. Et comment que c'est arrivé? Un malheur. Il était en train de nettoyer son soufflant, flac, ça lui est parti tout seul dans la gueule. Qu'est-ce que c'est quand même? C'est des choses qui arrivent, ça. Pas bébert. L'enterrement était très bien, tu sais. Tous les copains avaient envoyé des fleurs. Correct. Et voilà. Mais toi, qu'est-ce que tu vends là? Ça, c'est des bons pour votre pote. Professeur? Ah, mais défense que je vous amène, professeur. C'est combien ton truc? C'est 10 balles, mais prenez-en pour un fait. Ah, ben dis donc, tu les donnes pas, non? Bah, c'est pour les mômes. Oh, t'en étouffes pas un peu pour toi, non? J'emmène. Je suis un pape au Moujang, là. Un beau jour aujourd'hui. Merci, monsieur Marcel. Merci, Mme Jo. Ah non, c'est pas Mme Jo qu'il faut dire. C'est Mme Marcel maintenant. Ah bon? Merci, Mme Marcel. Ce que t'es belle en veuve. Quelle équipe? Deuxième. Combien de bandes? Tous vendus, ça fait 5 sacs. 5 000. C'est le petit Bresson, spécialiste du vol à la tire. Exact. Ça fait 5 sacs. L'équipe 7e. Oui. Pour le Contillet, tout est liquidé. Bon. Alors, t'es concluant? Jusqu'à présent, oui. À quoi, quelle heure est-il? 8 heures. Tout le monde est rentré? Ah non. Il manque la 3e équipe. Et puis Joris. C'était trop beau pour réussir tout à fait. Et comment est cette équipe? Pierre de Mute. Pierrot le méchant. Fous l'audace par les filles et passons la bonnet. Oh, la bête, cette pierre de là. Il était pas moins hideux avec un sac qui m'en faut aux mains. À qui te donner? Bah, dites donc, les gars, je suis pas si garni que ça. Je ne gagne que 400 balles. La plein de balles. Tiens, Joris, toi aussi tu t'es tiré? Ça. Oh, ben quoi? Ça, je te dis. Mais dis donc, qu'est-ce que tu lui veux? Ta gueule, toi. Ah, tu veux pas sortir? Non, quoi? Non, voilà les manières. Tu vas lui foutre la paix, oui? Si tu en veux autant, je suis son âme. Toi, passe devant et pas de vanne, hein. Ou je te crève. Et passons la monnaie. C'est dommage, ça aurait pu réussir. Mais vous conviendrez qu'il manque 7 enfants et 20 000 francs et qu'il est 9 heures du soir. On ne peut pas dire que votre expérience soit concluante. Non mais qu'est-ce que c'est que... Troisième équipe. 18 000 francs. Il y avait les déchirés, mais il est bon quand même. Il y a les deux morceaux. Mais dis-moi la puce. C'est pour toi qui étais chef d'équipe. C'est Pierrot? Oui, il est. Il s'est tiré. Quoi? Une évasion. Mais tous les bons sont pas rendus, il en manque pour 2 000 francs. Et Joris? Où est Joris? Le voilà, je le tiens. Alors là, les 2000 balles qui manquent. Et 1500 de mieux qu'on a fait, Pierrot et moi. Pas Pierrot. Ah, ça fait 200 à 1500 francs. Ah ben, cette fois, le Contillet est plus largement. Eh ben, c'est très bien. Allez dîner, mes enfants. Alors, j'ai gagné? Vous avez gagné. Il faudra tout de même changer beaucoup de choses. Il ne faut pas pour les tenter. Nous allons transporter le centre ailleurs. La campagne, la montagne, qu'est-ce que vous préférez? Courbevoie. Pourquoi Courbevoie? Parce qu'il faut les remettre chez eux. La nature, les petits oiseaux, ils en ont envie assez. Ce qu'il leur faut, c'est leur quartier. Les usines, la rue.
C'est là qu'il faut qu'il soit transformé. Oh. Oui. Peut-être. Sûrement. Va pour Courbevoie. On me propose une usine désaffectée au bord de la Seine. Il y aura du travail pour déblayer tout ça. Mais ça peut faire un bel emplacement de sport. Il est libre, ce terrain? En principe, non. Je crois qu'il y a un locataire. Ah. Mais comme il n'en fait rien, il sera facile de le réquisitionner. Bon. Mais qu'est-ce qu'ils fichent sur mon terrain, ceux-là? Tu y ailles? Non, je vais leur causer, moi. Hé, là-bas! C'est privé, ici! Faut pas rester là! Jean-Victor! Ah, excuse-moi, je t'avais pas reconnu. Il n'y a pas de mal. Mon ami, monsieur Marcel Charette. Monsieur Gerbeau. Et qu'est-ce qui me vaut le plaisir de vous rencontrer sur mon terrain? Ah, c'est toi le propriétaire? Oui. Nous installons un centre de jeunesse dans l'usine désaffectée, là. Et il est probable que je serai obligé de réquisitionner ce terrain vague. Ce serait fort ennuyeux pour moi, mais ça serait encore davantage pour vous. Oui, cet endroit est très malsain, tu sais, surtout pour des enfants, n'est-ce pas? L'humidité, le brouillard, les moustiques. Ah, les moustiques. Et oui. Vraiment, je ne vous conseille pas. Je t'assure. Écoutez, voyez cela vous-même, vous êtes seul juge et vous me direz ce que vous avez décidé, n'est-ce pas? À bientôt. Merci. Monsieur? Pardon. Avez-vous une voiture? Voulez-vous que je vous fasse déposer dans Paris? Oh, alors, vous êtes bien gentil. Non. Non, j'ai ce qu'il me faut. Le métro. Le métro, il est sympa pour une nuit, là. Dis donc, tu vas pas t'installer ici, non? Non, je sais pas. Ça va dépendre d'un tas de choses. Pourquoi? Ce sera trop long à t'expliquer. Tiens, il est midi, où déjeunes-tu? Dans un bistrot, par là. Viens déjeuner à la maison, comme ça on aura le temps de parler. Tu vas pas me refuser ça, non? Je suis trop content de t'en voir. Moi aussi. Il y a quand même des choses qu'on n'oublie pas. D'Armagnac, il est bon? Non, merci, vraiment. Oh, vous avez tort. Moi, l'Armagnac, c'est mon péché mignon. Après nous, la fin du monde, pas vrai? C'est la plus belle, va. Cigare? Merci, jamais. C'est toujours Jarvis? Non, le moins possible. C'est ce pauvre vieux jour, tu le reconnais? Vaguement. Il avait beaucoup changé depuis Belle-Île. C'est lui qui avait installé ici, alors quand j'ai pris la suite, naturellement, on a gardé les meubles. C'est coquet, hein? De quoi est-il mort, juste? La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. On se voyait plus beaucoup, tous les deux. On avait eu des mots quand Germaine était venue habiter avec moi. Et puis, quand on avait partagé les affaires, enfin, en séparant, quoi. Il n'avait pas été très régulier. Enfin, ça, n'en parlons plus. Il est mort. Paix à ses cendres. Pas Germaine! Ah, tu sais, dans nos métiers, on ne peut jamais savoir. Oui, bien sûr. Vous m'excuserez de vous quitter si vite, mais j'ai beaucoup de courses à faire. Je vous en prie. Et vous savez, revenez quand vous voulez. Vous êtes chez vous. Merci. Bébert, t'as rien à faire? Si, patron. Mon pauvre verre de vase. Tu ne me plains pas, non? Non, si. Enfin, il est peut-être pas trop tard. Trop tard, pourquoi? Pour que tu prennes ta chance. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Je veux que tu sortes de Belle-Île. Mais j'en suis sorti. Non, faut réagir, vieux. Tu comprends pas que tu t'enfonces chaque jour davantage? Mais je m'enfonce dans le bonheur? Non, dans la merde. Dans la... Non, professeur. Tu serais pas un tout petit peu jaloux? Tu sais que t'aurais tort, hein? Parce qu'un homme comme toi, dans mon business, ça doit prendre un maximum. Oui. 20 ans de bagne. T'as peur? Toi? Pour toi. Allez, je peux encore tirer de là. Écoute, professeur. Je suis majeur et vacciné. T'es salade devant les hauts gosses. Tout ce que tu peux faire pour moi, c'est me faire rigoler. Alors parlons de choses sérieuses. Bon. Ce terrain que tu as vu ce matin, tu me le laisses, hein? Parce que j'en ai absolument besoin, moi. Et puis toi, il ne te servira à rien, alors? Ah, mais t'en as de bonnes. Ça va me servir à créer mon centre. Ton centre, mais tu peux le mettre ailleurs, il manque pas de place quand ça s'est dans les environs. Parce que ce terrain, moi je l'ai loué parce que c'est exactement ce qu'il me faut. Oh, tu t'en sers même pas. Je vais m'en servir dans quelques jours. Écoute, professeur,
On est des bons copains, hein. Mmh. Eh ben, je te demande comment service s'installe toi, gueule. Ça ne dépend que de toi, puisque ton huile te laisse les mains libres, il l'a dit devant moi. Enfin, pourquoi tiens-tu tellement à ce terrain? Je te répète que j'en ai absolument besoin. Enfin, si c'était pas aussi important, quoi, j'insisterais pas. Alors, d'accord, on n'en parle plus, hein. Même que si un petit chèque pouvait... Enfin, je sais pas, moi, améliorer l'ordinaire des gosses, par exemple. Eh ben, tu n'as qu'à parler. Combien? Sacré Marcel. Alors, merci, t'es bien gentil. Tu rigoles, non? Écoute, vieux, tes petites combines, c'est peut-être très important pour toi. Mais pour moi, l'avenir de 300 mômes, ça compte, tu sais. Tu as tort, professeur. Je t'ai toujours considéré comme un copain, à la première occasion, tu me fais un van. C'est pas bien, ça, tu sais. Non, c'est pas bien. Non, je te fais pas de van, je fais mon devoir, c'est tout. Ton devoir, mais tu me fais marrer. Est-ce que tes chefs absolument te veulent mettre ton sang, ils s'en foutent pas mal. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas me gêner. C'est pas compliqué, bon Dieu, quoi, réfléchis. Tu verras bien que j'ai raison. Non, c'est tout réfléchi. Tiens, je le garde. Cherche-en un autre. Tu t'obstines? Bon. Je t'ai prévenu, tant pis pour toi. Tu le regretteras avant longtemps, tu sais. Écoute bien, Marcel. Tu me connais, hein? Je vais te donner quand même un petit conseil. Les menaces avec moi, c'est toujours l'effet contraire que ça produit. Au lieu de me faire reculer, ça me cabre. Tu as compris? Et souviens-toi de là-bas. Qu'est-ce qu'il te parle de menaces? Enfin, tu ne vas pas t'imaginer, non, que je te ferai des ennuis. Enfin, tu me connais pas? Justement. Je suis pas le grand jour, moi, tu sais. Quel rapport? Aucun, naturellement. Hé, hey, je me sauve, Marcel. Au revoir, professeur. Et à bientôt. Adieu, verre de vase. Bien, monsieur Marcel. Oui, monsieur Marcel. Ah non, ils sont seulement arrivés hier. Oh, pas beaucoup, une centaine. Ah non, ils sont pas encore allés sur le terrain, ils s'installent seulement dans l'usine. Comment dites-vous? Joris! Ah oui! Oh, ben, n'ayez crainte, je le trouverai. J'ai pas le temps. C'est de la part de M. Marcel. Bouge pas. Il veut te voir ce soir à 10h à mon bistrot, au bout du quai sur la berge. Ça va, tu y seras? Non, pas la peine de répondre. Si t'es d'accord, siffle. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu prends? Fine. Pierrot, la même chose. Pour qui tu travailles en ce moment? Personne. C'est une combine pour toi. Ah, qu'est-ce que c'est? Faut me foutre le centre en l'air, il y a deux sacs pour toi. Le centre en l'air?
Et le professeur, qu'est-ce qu'il dira? Que dira le professeur, ça je m'en tape. Arrange-toi comme tu voudras. Tu connais tes copains, tu vois ce qu'il y a à faire. Faut que dans 8 jours, il boucle la baraque. D'accord? Ah, c'est que boucler la baraque, c'est très joli, mais il y a les copains, puis il y a mon frangin. Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans tout ça? Ça, alors tu comprends, moi je m'en fous. Ouais, mais moi je m'en fous pas. Si on refoule mon frangin en tôle, ça fait pas du tout mon affaire, cette histoire-là. Minute, minute, ne nous emballons pas. Ton frangin et toi, je vous prends dans mes hommes. Même si tu as 3 ou 4 copains des bons, tu peux les amener. Puis les autres, mon vieux, ils se débrouilleront chacun pour soi. Ça va comme ça? Voilà. Tu me plais, toi, petit homme. Tiens, t'arriveras. Parce que t'as une bonne mentalité. Monsieur Marcel. Bonsoir, monsieur Marcel. Bonsoir, monsieur Marcel. Marcel. Bonsoir. Pierre. Et qu'est-ce qu'il y a, patron? Crédit ouvert pour lui, hein. Tout ce qu'il a besoin comme liquide et comme tabac. Et puis à bouffer aussi, compris? Bien, patron. Et sur ce terrain, c'est fini le boulot? Oui. On a enlevé le plus dur à planquer. Le reste, on l'a muré dans les vieilles sapes. Et puis on a mis un tas de vieilles saloperies sur les entrées. Ça m'étonnerait qu'ils y voient quelque chose. D'ailleurs, dans 8 jours, ils sont tirés, les mots malheurs. Au revoir, petit homme. Fais pas pitié en rentrant, hein. Ils sont trop calmes. Patron, c'est quand même risqué de mettre un môme dans le cou. Tu me fais marrer, toi. Mais j'avais pas le choix. Dans 8 jours, on se tire d'ici avec plein de fric. Pourquoi tu veux te tirer? On est peinards ici. Jean-Victor, c'est un pote. Eh ben, tu feras ce qu'on te dira. Allez au pucier. Dis, Joris, son charrier, c'est pas moi que tu veux te tirer. Tu vas pas faire ça. Je vais rester avec les copains, moi. Puis avec Donald, allez battre. Oui, c'est ça, va renfler, allez, t'occupe pas. Allez. Je veux pas m'en aller, Joris, je veux pas m'en aller. Ah non, mais tu m'emmerdes à la fin, y en a marre, allez, marche. Je veux pas, Joris, je veux rester ici. Joris. Mes compliments, Joris. C'est la première fois que tu bats ton frère, n'est-ce pas? La première fois. J'étais sûr que t'en arriverais là. Allez, 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 viens, 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 viens. Oui, oh mon Dieu. Bah, chale pas comme ça, quoi, je t'ai peine touché. Sérieux, pour une fois, je te fous une baffe, hein? Non, non. N'aie pas de chagrin, ma petite puce, hein? C'est pas ton frère qui t'a giflé. Cette beigne-là, tu la dois à M. Marcel. Allez, allez, allez. Va te coucher, mon chéri. Tu es nerveux ce soir, Joris, hein? Nerveux et maladroit. Pas dans ton assiette, hein? Au fond, ça t'embête d'avoir promis de foutre le carrefour en l'air. J'aimerais beaucoup mieux que tout marche bien. Quoi? Eh, aussi, qu'est-ce que tu veux? Fallait pas promettre à Marcel non plus. Tu es extraordinaire, toi. Tu t'engages à faire des trucs et puis tout d'un coup, tu t'aperçois que t'as plus envie de les faire. C'est pas sérieux, ça. Je sais pas ce que vous racontez, j'ai rien promis du tout. Te fatigue pas, hein. Je suis au courant. Pierre Le Bistrot t'a porté le rancard ce matin. T'as vu Marcel tout à l'heure. Il t'a demandé de refaire le coup d'auteuil pour me forcer à déloger. C'est pas vrai. Ça sent bon, les cigarettes de Marcel? Oh, le mien que je ne te demande pas de me dire pourquoi il tient tant à ce que je m'en aille. Je te demande pas non plus de me donner tes amis. Tiens, je ne veux même pas savoir pourquoi il tient tellement à ce terrain. Seulement ce que je veux savoir, c'est ce que tu as décidé, toi. Moi? Oui, toi. Parce qu'au fond, Marcel, tu t'en fous. T'as dit oui comme ça sans réfléchir, par habitude. Seulement maintenant, tu commences à voir plus clair. Puis tu te dis que l'argent qu'il te donne, au fond, c'est pas grand-chose. Sa promesse de s'occuper de toi, ce sont des mots. Et puis, ces petites combines, ça t'intéresse plus autant. Hein? Tandis que le carrefour, tu l'as sauvé. Ah oui, tu l'as sauvé avec l'histoire des bons. Alors malgré toi, ça te tient. C'est pas vrai. Alors vous auriez fait un drôle de caïd alors. Mais j'en suis un. Un chef, c'est un caïd qui travaille pour ses hommes. Ça, là, mais parfaitement.
Tony Cacaïde, c'est un mauvais chef qui se fout de ses hommes et qui les fait bosser pour lui. C'est un dégueulasse. Mais je vais te le dire, ce qui te chiffonne, c'est qu'ici tu ne comptes pas. On ne te demande pas ton avis. Alors ça va pas ton idée. En un mot, tu laisses tomber parce que t'es pas dans le coup. Ben, je veux pas être dans le coup, moi je m'en fous de vos trucs. Penses-tu? Ça te plairait de commander, hein? Ben ça, il faut dire, vos chefs d'équipe, c'est des petits keufs. Ils savent pas y faire. Hein? T'es persuadé que tu saurais, toi? Ben, ce sera autre chose, je vous le dis, moi. C'est à voir. Seulement, tu comprends, il faut tout de même choisir, hein? Ou Marcel ou moi. Marcel, je laisse tomber. Ouais? Je laisse tomber, je vous dis. Alors dis-moi, je veux obéir. Je veux commander. Je veux commander, je veux commander. Pour commander, il faut d'abord apprendre à obéir, petite tête. Alors, tu veux obéir? Naturellement, puisque je veux commander. Alors dis-moi, je veux obéir. Je veux obéir. Non. Alors voici mes ordres. Pour ce soir, tu peux aller te coucher. Et puis demain, tu regarderas un petit peu autour de toi. C'est tout? C'est tout. Jusqu'à ce que je te dise autre chose. Voilà. Bonsoir. Alors c'est d'accord, hein? Tout ce que Joris a besoin pour lui, pour les mômes, tu le lui donnes. Bien, patron. Il va nous foutre une dose de pagaille. Dans 8 jours, il n'y a plus de carrefour. C'est moi. Ah, c'est vous, monsieur Marcel. C'est Joris qui t'envoie? Oui, je suis son frangin. Qu'est-ce qu'il y a? Il a été fait? Oh non, il est dans son pageot. Il roupille. Il roupille? Et alors? Bah, il m'a dit de vous prévenir qu'il fallait pas compter sur lui. Bon, eh bien, tu lui diras, ton frangin, qu'on se reverra. Hein? Allez, tire-toi. Me faire ça, moi, Marcel. Moi, je vous vois une baffe, mais je vous la rendrai. Dites donc, les gars. Vous prenez ça en main vous-même, hein, parce que maintenant, le temps presse. Mettez-vous directement en cheville avec les mômes, vous voyez lesquels. Et puis organisez 3 évasions par groupe de 10, à quelques jours d'intervalle. Le professeur est pas fou. À la 2e évasion, il comprendra, il se tirera. Ça va perdre encore du temps, et si on s'occupait de lui directement, vous ne croyez pas qu'il irait plus vite? Non, pas ça. Ce que je veux, c'est qu'il s'en aille avec ses mômes avant qu'on ait visité le terrain. J'en ai pour plus de 2 millions, moi, là-dedans. Vous voyez, on commence le développement du futur terrain de sport. Piste de course à pied, volley-ball, portique. Ce sera tout à fait moderne. Votre ami, le locataire, vous fait des difficultés? Il n'a pas dû être content qu'on lui réquisitionne son terrain. Enfin, j'en sais rien. Il ne m'a pas donné de ses nouvelles. Du moins, pas encore. Lâchez les piques et les pioches, j'ai dit. On va d'abord nettoyer tout ça et il y en a pour quelques temps. Bon. Attention. Allez, la main dessus, là. À vos commandements, là-haut. Dis donc, tu diras au patron que les mômes en ont pour plusieurs jours avant de commencer à creuser dans le terrain. Mais faut se grouiller. D'accord. Arrière. Allez. Allez, là, ça fume dur ici, hein. Pourquoi pas? À la tienne, Joris. Vous êtes marrant, il fait 200 balais, man. Allez, allez, ne faites pas ici. Comment que c'est que vous avez tout ça? Comme ça. Comme ça. Eh ben, bravo. On a plus de pêche. Mais là, viens un peu ici, toi. Qu'est-ce que tu planques, là, sous la veste? Oh, moi, je n'ai rien. Ah, mais c'est du vermouth. Où c'est que t'as eu ça? Oh, ben, au bistrot, là-bas, c'est Armando qui m'a envoyé le chercher. Ah, puis, on le donne pour rien, tu sais, c'est battre. Ah, au bistrot. Tiens, ne fais pas attendre, mes copains. Alors, t'en sors, t'es pas plat? Oh, tais-toi, j'ai plus le temps de faire autre chose. Et toi, ton moulin, il va tourner, oui? Ça va, ça va. Bravo. On va s'allier, oui. Dis, t'as rien remarqué depuis 4 ou 5 jours?
Et quand il y abuse, j'ai l'impression que ça sent le cuit. Oui, ça commence par le coup d'auteuil. Veux-tu qu'on fasse une garde la nuit, non? Non. Je crois pas que ça soit aussi grave cette fois-ci. Bien. Il y a justement quelqu'un qui vient m'en parler. J'attends ça depuis 2 jours. Quelqu'un? T'es bien poli, toi, aujourd'hui. C'est toi? Alors, mon gars, ça va comme tu veux, oui? Quoi de neuf? Rien. Toutes les jours que je m'emmerde d'obéir à rien foutre, c'est tout. T'en as marre, hein? Tu voudrais bien commander. Oui. Alors, t'as vu tes copains, comment ils t'ont laissé tomber? Ah, ils sont bien passés de toi. Moi, je regarde ça depuis 3-4 jours, sans rien dire. Cigarette, apéritif, carte. Ah, ils y mettent le prix pour tout foutre en l'air. Moi, je me demande ce que t'attends pour prendre ça en main. Non, je peux. Et bien sûr que tu peux. Allez, choisis tes hommes, fais ton équipe et au boulot. Là, je vous garantis que ça va boomer, hein. Boum. N'oublie pas une chose. Il suffit pas de vouloir commander. Il faut aussi que les autres veuillent bien obéir. Vu? J'ai tout vu. Hey, quelqu'un qui m'a donné une équipe, alors je vous prends avec moi. Allez, venez. Toi, chef d'équipe, l'équipe zéro, oui, la pose toute la journée. Mauvaise mémoire. Foule aux as par les filles et passons la monnaie. Allez, venez. Nous la paix, c'est pas dans le coup. Hé, la minute. Je m'en doutais. Alors avec vous, faut dormir en gendarme. Où c'est que vous allez comme ça? On se tire, chef. On n'a pas changé, nous. On en a marre. On n'est pas passé flic. Allez, joue pas au caille, laisse-nous passer. Vous allez vous reculer tout de suite ou je vous rentre dedans. Joris, t'es un ancien, on est 10. Et je t'assure, laisse-nous passer. Mais bande de michetons, oui, michetons! Vous savez pas ce que vous faites, non? Marcel, mais je fous de vous, Marcel! Vous laissera tomber dans 8 jours! Et qu'est-ce que vous foutrez à ce moment-là? Vous irez en tout et puis c'est tout. Encore je vous le dis, vous pouvez me croire, mon Dieu. Ah, passe la main, garde tes salades, hein! Ouais, j'étais 8, j'en ai gardé 3. Et les autres? En somme, pour le premier jour où tu prends un commandement, sur 8 hommes, t'en laisses évader 5. Hmm? Ouais. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu sais où ils sont? Oh, je m'en doute.
Alors, qu'est-ce que t'attends pour aller les chercher? J'y vais. Eh ben moi je vous le dis les gars, hein. Vive la liberté. Qu'est-ce que c'est, j'ai permis? Qui est là? Laissez-moi, Joris, ouvrez! Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, t'en as une guerre. Pour qui chante? Qui? Te fous pas de moi, les cinq gars qui étaient avec Bébert. Bébert? J'ai même pas vu de la journée. Qu'est-ce que tu lui veux à Bébert, mon petit Joris? Je savais bien qu'ils étaient là. Ils sont là et après? Allez chercher. Je vais tomber grand. Le leur, c'est de pas venir. Mais au fait, de quoi tu te mêles? T'as fini de nous emmerder, dis? Qu'est-ce que j'en fais, moi, des gars comme toi? Demande à Pierrot. Je leur cause. Quelle tristesse. Après? Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je ferme. Défense passive. Hé, patron. Donnez-nous deux digestifs. C'est quelque chose qui passe pas, moi, ce soir. Tiens, Joris! Qu'est-ce que tu fais là, vieux frère? Merci. Monsieur Bébert, sans doute? Bonsoir, monsieur Bébert. Oh, pardon. Excusez-moi, j'ai la poigne un peu forte. Ça fait mal, moi. Vraiment, ça me fait de la peine. Alors? On est venu boire un petit verre en douce avec son chef. C'est pas régulier, ça les entorse si vous le voyez le coucher. Tiens. Tiens. Et vous allez rentrer bien gentiment, avec Joris. Seulement, il faut tout de même une sanction, hein. Alors, demain matin, tu pourras commencer le travail une heure plus tôt. Compris? Et payez-vous. Et en route! Au centre, pas de gymnastique, vite! Bonsoir, monsieur Bébert. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que cette salade? Qu'est-ce qui se passe? Marcel, ici. Tu veux que j'y aille? Écoute-moi bien. Ce soir, t'as loupé ton coup. Je te conseille pas de recommencer. Je n'irai pas chercher les flics, tu sais. C'est moi qui te corrigerai. Compris? Écoute, dame. Passif. Non, reste tranquille, il y a mieux à faire, mais sans fumier. Pierrot, téléphone aux hommes de venir tout de suite. Vite!
l'autre derrière quand il va venir, hein. Non, je vais le voir. Non, l'ambulance est là. Je sais bien qu'on fera l'impossible pour le sauver. Je l'aime bien, moi aussi. Donc tu gênerais plutôt qu'autre chose. Les pompiers ont découvert le foyer de l'incendie. Le capitaine voulait te parler. Bon, j'y vais. Bien. Voilà ce qu'il dit. Il n'y a pas eu trop de mal. Sans l'accident de ce pauvre gosse, ce serait peu de chose. Seulement, je peux parler. Oui. Eh bien, vous devriez demander une enquête. Une enquête? Oui. Cet incendie est extrêmement suspect. Nous avons découvert 3 foyers très espacés. Le feu a été mis volontairement avec des copeaux et des chiffons imbibés d'essence. Vous ne connaissez personne qui aurait eu intérêt à cela? Joyce!
affiche, on a des nouvelles. Oh les vaches. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la fin du monde ? Chauvis ! Laissez faire, chef ! Pas votre affaire ! C'est la sienne ! Salaud ! Mon frangin est mort de ton incendie ! Mais enfin, mon petit homme, tu sais bien que j'ai pas voulu ça ! Enfin, tu m'as payé quand même ! Allons, Chauvis, poisson ! Mais non, moi je suis pour rien en tout ça. La mort du grand Jo, l'incendie de l'usine, tout ça c'est Marcel. C'est lui qui a tout fait. Laisse donc, professeur. Tant qu'à faire qu'à être donné, j'aime autant que ce soit par mon personnel. On y va ? Mon avocat est maître Rivière. Inutile de vous dire que je ne parlerai qu'en sa présence. Pauvre verre de vase. Salaud ! Toute la bande est sous les verrous. Vous félicitez vos garçons, ils nous ont rendu un fier service. 2 millions de marchandises volées, nous cherchons le dépôt depuis 3 mois. On a trouvé à l'hôpital ceci sur la petite victime. Comme l'objet n'a aucun intérêt pour l'enquête, j'ai pensé vous rendre cette relique. Merci, monsieur le commissaire. Je l'aimais bien, tu sais. C'est à Marseille qui me l'avait donné la première fois que je l'ai vu. Moi, je lui ai promis de le tirer de là. Au fond, c'est cette promesse qui m'a poussé en avant. Tout ce que j'ai tenté pour vous sauver, tout ce que j'ai fait, même pour toi, c'est à lui que je le dois. Ouais, mais en attendant, à part vous, me voilà tout seul. Mais non, Joris. Jamais tout seul quand on vit pour les autres. Tu seras un chef, un grand. Et pour obéir dès le premier jour. C'est pour ça que je me suis acharné sur toi. C'est pour ça? Oh, j'avais pas de peine à te comprendre. Pour ça, j'avais qu'à repenser à ce que j'étais moi-même autrefois. Pour te comprendre, j'avais qu'à me souvenir. Seulement, t'es plus doué que je ne l'étais. T'es plus fort, plus... Plus dur. Oui, plus dur. Tu seras un meilleur chef que moi, Joris. Vous croyez? Mais comment faire? Oh, pas 37. Pour ça, il suffit d'aimer. C'est parce que je vous aimais, tous. Parce que j'avais que vous à aimer. C'est pour ça que j'étais le plus fort. Ah, et maintenant que mon petit puce n'est plus là, j'ai le cœur tout vide. Tellement vide qu'il y a de la place pour tout le monde maintenant. Hein? Pas raison. Tiens. Allez. Bien pensé aux autres. Mmh.